Eh ben voilà, on est en streaming. Le retour de la vengeance. Pour cette correction de copie. Donc j'en ai de très nombreux paquets. Hein, on peut les voir là. Oui, on est un peu dans l'espace là. C'est plus sympa. Donc pour commencer ces copies, voilà, comme ça on voit pas le nom. Donc que devient, hop, je vérifie, voilà, que devient la matière organique des êtres vivants en sixième, mettre en forme une recherche, prendre des infos, faire une hypothèse qui a déjà été évaluée en classe, donc celle-là c'est bien, et tirer une conclusion. Ils avaient une observation à faire. Ensuite, faire une petite analyse d'expérience, ici, avec, on les voit là, des feuilles qui étaient mises à pourrir avec un sol normal et un sol stérilisé. On peut voir ce que ça donne. Alors, voyons voir un peu. Oh, belle écriture, dans la coupelle, il y a des feuilles mortes, des filaments, ah non, et de la terre. Incomplet. Donc ça sera pour prendre des infos. Sont dégradées et ES, car elles ne sont pas d'un état naturel. Voilà. C'est-à-dire la différence entre deux pots. Au début de l'expérience, c'est que le pot bleu, il y a de la terre ramassée et E, et bien même pas les E dans le pot rouge. Soit les stériliser, donc il n'y a plus d'être vivant. Très bien. Au bout d'un mois, la feuille dans le pot bleu a presque totalement disparu, alors que dans le pot rouge, la feuille est juste séchée. Très bien, donc elle a bien compris. Oui, pour écrire comme ça, je vous cache pas. Hein. Elle a bien compris comment prendre des infos. Ça, c'est bien. Alors, dans le pot bleu, la feuille est biodégradable. C'est-à-dire, alors que les feuilles dans le pot rouge a juste séché, car les êtres vivants n'y étaient plus. Et là, que font-ils? Quel est leur rôle? Voilà. Donc, tirer une conclusion. C'est non. Et mettre en forme la recherche, ça va. Et hop. Oh, ça va aller plus vite à corriger. Alors, j'ai vu. Oh là là, j'ai vu. Non, mais ça s'écrit pas comme ça. Hein. Des feuilles, de la terre et un insecte. Bon. Phrase, la feuille change de couleur. Je ne me souviens même plus la question 3. La différence entre les deux pots. Alors, c'est la différence au début de l'expérience. Bon, évidemment, lui, je pense que il va y avoir que des points rouges. Hein. Pas de recherche. Des infos, il en a pris une passée et il n'a pas tiré la conclusion. Oh, attention les noms. Ah, déjà l'hypothèse était bonne en classe. C'est déjà pas mal. Ah, voilà. Un peu quelques élèves qui a fait des efforts. Alors, dans la coupée, il y a des petits bâtons, des feuilles mortes, des fils. Amant. En trois mots. La feuille n'est pas dans son état normal, car il y a comme des poussières, des petits grains de la moisissure. Très bien. Elle a peut-être changé par rapport à l'eau, car elle devient mouillée. Bon, ça devient mouillée à cause du manque d'eau de soleil. Qu'elle tombe, ça l'abîme. Oh, c'est pas mal, ça, comme hypothèse. Allez. Oui, parce que l'idée était de savoir pourquoi les feuilles dans le sol n'étaient pas dans leur état normal. Qu'est-ce qui avait pu les rendre comme ça? Bonjour à mon seul spectateur. Je me sens un peu moins seul, mais pas très accompagné.
À moins que ça soit moi le seul spectateur, il me compte comme un spectateur? Non, je pense pas. Donc la différence entre les deux peaux, selon les premières, il y a des insectes de la terre, puis il y en a un, des bactéries, dans la deuxième, il y a plus d'insectes. Alors c'est pas et, c'est car. Le sol est réchauffé. Alors, puisque chauffé, on dit que la terre est stérilisée. Très bien, un point à la fin, c'est pas mal. Très bien, une très bonne observation ça. C'est bon. Le résultat au bout d'un mois. Et qu'il y a un pot où il y a une feuille qui a disparu. Et dans l'autre pot, la feuille est toujours là. Très bien. La différence entre les deux. On rongeait la feuille, mangeait. La feuille est restée. Donc, les êtres vivants du sol, tatata. Manque cette petite conclusion, c'est dommage. Ah, elle l'a pas rédigé, mais elle a mis quand même l'idée que les êtres vivants. Ah, le plus dur, c'est de pas montrer les noms en même temps. Un deuxième spectateur. Bonjour. Sur la feuille, je vois qu'elle est toute fripée. Quelle? Alors, qui en plus? Il y a des fils qui poussent, ENT, puisqu'il y a des fils sur la feuille. Il y a des points, des pores, des points noirs dessus et de la moisissure. Bon, bonne observation. Mon hypothèse est que la feuille est tombée. Elle a pris la poussière et l'eau de pluie. Elle a pris le soleil et ça a provoqué la pousse des petits fils. Mais elle a moisi. Elle a trop pris de poussière. Voilà. Oh là. C'est pas mal. Au début de l'expérience, faux. Il n'y a pas de différence. Eh non. Alors, comment on voit qu'il y a une différence? Parce que ici, il y a écrit, ils ont placé dans un pot à gauche une feuille sur la terre prise dans le collège et dans un autre pot à droite une feuille sur la terre chauffée à 100 degrés pendant 10 minutes. On dit que la terre est stérilisée. Voilà. Donc, elle aurait dû voir cette différence. Elle ne l'a pas vue. Je vois qu'il n'y a plus de feuilles dans le pot bleu et que dans le pot rouge, elle devient rousse, oui, parce qu'il y avait en couleur à l'écran. Dans le pot bleu, il n'y a plus d'êtres vivants à l'intérieur, alors que dans le rouge, elle a juste séché. Oh là là. Oh là là. Alors, reprenons la question 5. Décrire le résultat, bon. Expliquer les différences. Expliquer ce qui transforme le matière organique. Alors, expliquer les différences et expliquer ce qui transforme. Expliquer les différences. Donc là, vous n'expliquez rien. Et là, c'est bon. Donc, elle n'a pas pris les infos, elle n'a pas mis en forme, mais elle est arrivée à la bonne conclusion. Oui, puisque là, elle n'a pas expliqué, évidemment. Sa recherche. Alors voyons voir maintenant. Wow. Ça c'est écrit gros. Voici ce que décrit. Voilà, les matières organiques sont très sont ont voilà, sont en très mauvais état, sale, beaucoup de terre, dégoûtant, les feuilles mutilées. C'est un peu fort. Il n'a pas mis les points en plus. Un peu fort. Il n'a pas vu les moisissures, alors que je les ai montrées pour certaines. Et il n'a pas vu les insectes, pour ça, à la limite, tout le monde n'en avait pas. Ah, j'ai deux lecteurs en simultané et j'ai eu cinq lectures. Il n'y en a que deux qui sont restés en fait. Oh, tiens, Yoyoreto. Oui, je vois pas les messages tout de suite. Voilà. J'avais des spécialistes pour suivre les lives de correction. J'avais deux élèves, des jumelles d'ailleurs. Qui se couchaient à pas d'heure, c'était incroyable. Jusqu'à 11h, minuit, ils arrivaient à suivre les directs quand j'en faisais, quoi. Par contre, qu'est-ce que ça clignote? C'est très désagréable.
Elle a changé d'état au cours du temps car elle n'est plus nourrie, elle n'est plus dans son âme, donc elle est morte. Point, c'est bon. La différence entre les deux feuilles au début de l'expérience, c'est que la feuille de droite va subir la chaleur. Non. C'est le sol. Qui est chauffé. La feuille de droite n'a pas disparu. C'est bon. La matière vivante, on préférait celle de gauche. C'est-à-dire quoi on préférait? Comprends pas. Confus. Bon, bah alors sur Manta, c'est parfait. Donc ça fait 12 minutes de live. Ouais, parce que j'ai mon petit curseur ici. Et 3 minutes de visionnage. C'était rigolo. Alors, ce qui ont fait transformer la matière organique, c'est quand elle a pourri. À cause de qui? Donc là, il a bien pris les informations, mais il a rien expliqué. Donc, rien expliqué. Ça. Et ainsi, il a dit que ça a pourri quand même. Conclusion est bonne. Alors. Oui, mais il a pas dit comment. Voilà. Il n'a pas parlé d'être vivant. Il a dit pourri, mais il n'a pas dit lesquels. Alors, pour cette petite série, oui, parce que au collège dans lequel je travaille, il n'y a que des demi-groupes. Il a été décidé que le groupe A venait l'après-midi, le groupe V venait le matin, donc j'ai des élèves que j'ai que le matin, donc j'ai des paquets qui sont un peu plus petits. Alors, il y a des moisies, on voit des petites particules blanches. Très incomplet ça comme prise d'information. Hein. Forcément l'hypothèse n'était pas bonne. Dans le pot bleu on a mis un sol, on a marché dessus, il y a des bactéries. Dans le pot rouge il n'y a pas de bactéries. Car il a été stérilisé. On voit. Ah bah tiens, le thé il n'est pas mis à la bonne place, dommage. Dans le pot bleu, les particules qui avaient détruit la feuille, mais dans le pot rouge, il n'y a rien de particulier. Le pot bleu, la petite particule ont détruit, rongé la feuille, juste les fibres. Ah, et là, est-ce qu'elle avait vu la vidéo préparatoire? Bah, apparemment pas, hein, puisque dans la vidéo préparatoire, je parlais justement des décomposeurs. Et ils avaient une définition à chercher. Et ouais, pas de conclusion. Pas facile ça. Voilà les informations, ça va à peu près. En fait, elle a compris, mais il y a beaucoup de choses qu'elle a pas mises. Donc, ça, mettre en forme la recherche, ça allait, elle a réussi à organiser ses idées, mais rien de plus. Hop. Un premier paquet. Paquet suivant. Voilà, beaucoup plus épais celui-là. Un paquet pré-confinement. Voilà. Ah, c'est un paquet de leçons. Donc c'est 37, c'est 45. Je sais mon cours, je sais faire des phrases. Un fossile est une roche d'être vivant. Non, c'est pas ça. Ou une trace d'être vivant lors de sa formation. Citer un être vivant disparu. Très bien. L'évolution se change. Au cours du temps. Donc, tac, tac, deux réponses justes. Par contre, les majuscules. Voilà, bon, ça va. Allez, admettons. On va lui compter juste. Définition, c'est la forme d'un fossile qui a pris de la nature vivante, très bien. L'odeur qui a disparu, c'est le temps qui change, qui devient de mise en mieux. Non. Oui, pour avoir vert, il suffit de répondre à deux questions sur trois. Hein. Sinon, je te dis pas les résultats que tu te cognes en sixième. Hop. Alors, roche qui a pris la forme d'un être vivant, très bien. L'être vivant qui a disparu, une espèce.
L'évolution et l'évolution. Ah, dommage. Quand c'est la même chose des deux côtés, forcément, c'est pas la bonne définition. Donc, très bonne présentation, très bonne écriture. Et le cours est connu, en tout cas 2 sur 3. Hop. Pas répondu. Oh, il a pas mis de points non plus. Allez, hop, hop, faut penser à mettre des points. Alors, Ross qui a pris la trace lors de sa formation. Oh, dommage, j'ai pas compris ce qu'elle a appris. Disparu, c'est le dinosaure. Dans, admettons, j'y compte. Au fur et à mesure de quoi? Donc, elle a mis ses majuscules C1, donc elle connaissait pas son cours. Mais elle sait faire des phrases. Donc la roche qui a pris lors de sa formation, ça c'est juste. Le dinosaure qui a disparu, c'est juste quand quelque chose change. C'est quand quelque. Voilà. Confus. Soit animal de plante conservé par la roche, si t'es un être vivant qui disparaît, elle l'a pas fait. Qu'est-ce que l'évolution? Non plus. Donc, c'est 37, c'est 45. Oui, c'est une évaluation par compétence. Car au moins tu fais des phrases. Ce qui n'est pas le cas de tous les élèves. Hein. Et après, il faudra que je relève tout ça. Alors, voyons voir. Oula, ça date un peu ce truc quand même. Hein. Alors, Roche qui a pris la forme d'un être vivant. Très bien. L'homo sapiens, c'est un... Non, l'homo sapiens, ça n'a pas disparu. Qui s'est amélioré non plus. Ça, c'est le cas typique d'élèves qui se souviennent de son cours, mais qui l'a pas appris. Dommage. Reste trace 1 dans la roche. Donc ça c'est pas bon. Le mammouth a disparu. Qu'est-ce que l'évolution? Je ne sais pas. Heureusement qu'il y a la compétence à savoir faire une phrase, hein, sinon. Alors voyez quand on vous dit d'écrire en bleu. Hein, parce que sinon c'est galère à lire. Fossile est une roche d'être vivant. Non. C'est l'homo habilis. Oui, c'est vrai. La croissance, non. Prochaine fois, je ferai comme critère de réussite le fait d'avoir écrit lisiblement. Très bien, dinosaure. L'évolution, ça peut être non plus. Allez. À nouveau deux téléspectateurs. Alors. Ah, si jamais vous voulez en profiter pour poser des questions de SVT, n'hésitez pas. Hein, de toute façon, je suis là pour encore, on va dire, 40 minutes, le temps de deux. Donc, profitez-en. Sur. Alors, pas sur le vaccin ARN, parce que là, j'ai déjà fait une vidéo. Oh, si vous voulez aller sur Tipeee pour faire un don, il faudrait peut-être que je le mette un jour, ce site Tipeee. Alors, Roche qui est enfermé, qui enferme un être... Mais non, ça enferme pas. L'amélioration de quoi? Ouais, tac. Et ouais, c'est ça quand on apprend à moitié. Voilà, très bien, très bien. Est un changement de temps où les êtres vivants changent au cours du temps. Oula. Allez, c'est confus, mais comme c'est le premier qui me l'a sorti, je bonifie. T'imagines si j'avais corrigé quelqu'un d'autre avant? Wow. Regarde pas la déléguée. Fossile qui a pris la très bonne, les êtres vivants avant. Non. Tac, tac.
Tiens, mon autre délégué. Roche qui a pris un dinosaure qui a disparu et ça l'a pas fait. Ah, cette évolution, ça pose souci. Alors, fossile trace de quelque chose. Non. Non et non. Ah, ça n'est pas bien ça le sort. Alors, roche, réunion, putain, mais le dinosaure, qu'est-ce que l'évolution? Ah, ça n'est pas. Obligé à écrire. On faisait prendre un truc, mais qui augmentait leur capacité. Non, on dirait toujours que l'évolution, c'est le fait qu'il y ait des super-héros qui apparaissent. C'est incroyable ça. Tiens, petite geek. Et ça n'explique pas. On va mettre ça. Très bien. Oh, notre petit paquet est fait. Ça, c'est que j'en ai 8 milliards de petits paquets comme ça. Ah. On range. Avant de passer au petit paquet d'après. C'est une cinquième, ça, qu'est-ce qu'il fait là ce paquet? Ah non, c'est une cinquième. D'accord, pardon. Oui, j'essaye de les faire par classe quand même. Alors, une, deux. Voilà. Allez, on part sur un autre petit paquet. Ça. Ça va aller. Oh! On est à 2 minutes 49 de visionnage. Alors, qui sont les deux spectateurs en simultané? 2 minutes de visionnage sur 28 minutes de live. Je fais pas un gros score quand même. C'est pas. Mais c'est parce que j'ai pas pris le temps d'avoir des rendez-vous réguliers. Je crois que le record à battre est de 13 spectateurs en simultané. On verra bien. Ah, faut peut-être que j'aille sur Snap. Alors, tac, donner la définition de ressources. Un café. Ah ouais, non mais. En fonction de qui se place, de quoi se placent les hommes pour créer des villes. Bon, on est d'accord que non. Et non. Message. Quoi, j'ai des petits messages. On capte dans l'espace. Ah, et ça. Pardon, j'ai pas appris ma leçon, mais c'est pas grave. Hop, hop, t'es pardonné. Et elle, est-ce qu'elle a appris sa leçon? Ressources, ensemble des éléments permettant avec besoin de répondre aux besoins. Les hommes se placent en fonction de l'eau potable pour créer des villes, mais c'est très bien, allez. Tac. Et tac, voilà. Comme quoi, il y en a qui apprennent. Hein. Hop, on cache. Donner la définition de ressources en fonction de ce qu'on va se placer. Donc, faire des phrases, oui. Savoir son cours, non. Hop. 37, 45. Il écrit son nom sur toute la feuille. C'est difficile à cacher. Hein. Alors, la définition de ressources est une source. Pas du tout. Et je ne sais pas. Je vois ça. Voilà. Ah. La fameuse. J'ai perdu ma leçon, donc j'ai pas pu la prendre. J'ai perdu ma leçon, je n'ai pas pu la prendre. Alors, très honnêtement, on ne peut pas perdre sa leçon. Elle est sur YouTube. Elles sont toutes sur YouTube, les leçons. Alors, j'ai perdu ma leçon, non. Non, je ne l'ai pas fait, à la limite, tu vois. Tac, mais j'ai fait les phrases. J'avais dit, trouvez-moi des excuses rigolotes. Même si je ne mettrais pas une règle, carrément, tu vois.
Ça, où je le mets un peu plus haut, voilà, ça cache le haut. Ressources, ensemble des éléments. Non. Il s'est servi de pierre en fonction de l'eau potable. Non, ça, c'est pas un cours qui a pris ça. Ouais, les phrases, ça va. Ressources, ensemble des éléments permettant l'entretien des êtres vivants. Très bien, on a besoin de ressources d'eau. Oh là là. Eau potable. Très bien. Non, mais il y en a qui apprennent leur cours quand même. Hein. De répondre aux besoins des êtres vivants, c'est en fonction de la présence de l'eau potable. Très bien. On va remarquer qu'elle, elle a un plus hein, en écrire en machin bidule. Hein, ce qui est normal. Bon, des comptes, je suis obligé de passer sur la connexion de mon téléphone pour pouvoir faire des lives en direct. Avec ma box ADSL, il n'y a pas assez d'internet. Je me demande si on voit bien là, les trucs. Parce que moi, j'ai qu'une vignette. Je me rends pas bien compte. Bon. Ensemble de... Non, non, c'est pas ça. En fonction des ressources non potables. Voilà. Répondre aux besoins de l'homme, ça passe en fonction de l'eau potable. Ah bah celui-là, il avait appris le cours, dis-donc. Hop. Je vois ça, et ça c'est juste. Ah bah ça fait tac et tac. L'eau potable, ça s'écrit pas comme ça. Ressources. Oui, pour être sûr que c'est, j'ai bien compris que c'est un R majuscule, au cas où j'ai pas compris. Allez, parce qu'elle a fait un effort. Hop. Et ploum, parce qu'il y a des ratures quand même. Ils sont placés EES, hein, d'ailleurs. Ah, peut-être que je vais mettre les compétences quand même. Parce qu'elle l'a pas fait. Ah là là. Salut cousin. Permettant des éléments, hop là, permettant avec autant de répondre aux besoins des éléments, en fonction de la présence d'eau potable. Passer OS au pluriel, non de nom. Très bien. Oui. Hop là. Ah, en fonction de ressources, oui, mais laquelle? Alors. Clac et plus parce que c'est très bien écrit, présenté, rédigé. D'accord, elle connaît pas et elle connaît pas. Donc son point rouge pour la leçon, son point vert pour je fais les phrases. Ce qui n'est pas le cas de tous les élèves. Je tiens à préciser que tous ces élèves ont eu les mêmes questions, les mêmes cours et le même temps pour répondre aux questions. Hein, parce que des fois j'ai eu des remarques. Lui, il a même pas fait une phrase ou même pas recopié les questions. Bon, mais qu'est-ce que je te dis? Alors, les... Oh là 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 là... Son net de la ressource manga mangeable. Non. Non. L'électricité du métal et du bois et de la brique. Non. Encore un qui a pas appris son cours et qui a pas fait de phrase d'ailleurs. Oh, ça c'est pas le même devoir, c'en est un autre. Et ça, c'en est un autre. Et voilà. Ça avance, ça avance.
Mais donc, on pourra dire que j'ai fini les 6e 5. Alors, voyons voir. Oh, les 6e 5. Alors, voyons voir le travail qui était à faire. Alors, c'était de comprendre. Hop, je le mets ici. Hop. C'était de comprendre comment se nourrissent les animaux. Donc, ils avaient tout ça à lire. Donc, ça a été difficile hein, pour certains. Donc, ils avaient tout ça à lire et ils avaient à faire un tableau à double entrée pour savoir qui mangeait quoi. Qui mangeait des végétaux, qui mangeait des animaux, qui mangeait des œufs, qui mangeait des éléments minéraux, enfin voilà. Mais toutes les informations étaient dans le texte, donc il fallait mettre en forme leur recherche, forme de tableau, évidemment. Il fallait prendre les informations et il fallait faire un tableau, c'est-à-dire correctement avec crayon, règle, mettre un titre, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est fou? Le renard a mangé plein de trucs, le régime alimentaire et les phytophages. Non, ça c'est faux, ça c'est faux, et ça c'est faux. Il se nourrit d'animaux, c'est faux, il se nourrit d'animaux et de végétaux, de fleurs, c'est mal dit. Phytophages, non, ça c'est faux aussi. Zoophage, ça c'est juste, ça c'est juste, ça c'est juste. Donc, celui-là, c'est moi qui l'ai fait en classe, hein, je le compte pas, bien évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, oh, 10 de juste, ça va. Donc il y a le titre, le tableau est pas terrible mais il est fait. Voilà. Ça, on verra après. Allez. Oh, vous voyez un tableau bien différent là. Donc il y a un titre, très bien. Bien tracé au crayon, donc ça c'est moi qui l'ai fait. Perdianème, insectes volants, zoophage, non, 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 non. Zoophage, non. Animaux et fruits, le renard. Nectar des fleurs, animaux, zoophage, phytophage. Donc il n'y a que deux erreurs. Le tableau est très bien fait, les informations sont bien prises. On voit le renard, ainsi que de fruits, c'est écrit là. Donc, très bien pour la mise en forme, prendre les infos, c'est bien, et très bien pour le tableau. Alors, les perdiadèmes, insectes, zoophages, et non, c'est pas un producteur primaire. Là non plus, ça c'est juste, ah, bien. Ça c'est faux, on se nourrit pas de fleurs. Ça c'est faux, c'est phytophage, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et tout ça, ça sert à quoi? Et le titre, alors quel titre il m'a mis? Le réseau alimentaire, c'est pas le titre qu'il me fallait. Donc, correct, correct, correct. Mais pas plus. Alors, voyons voir ce qu'il me reste là à faire. Ah, c'est quelle correction des 5e 2. Bon, ce soir, 605. Puis, on verra. Oui, je lève pas la tête pour voir tout de suite les trucs. YouTuber, YouTube Ryan. Ah, c'est drôle. Alors, voyons voir ce qu'il a fait. Oh là là. Alors. Il a paumé sa feuille déjà. Alors, nous disions. C'est 16, c'est 17 et c'est 43. Alors déjà c'est 43, c'est raté. C'est
c'est raté et c'est raté. Oh, 3 spectateurs d'un coup. C'est mon top record. Ah ben voilà, vous voyez, un grand classique. Non, on ne sait pas qui c'est. Et du coup, on tourne et on ne sait pas qui c'est. Ça va être simple pour mettre ça. Juste. Dommage, tout fait juste. Donc, mettre en forme la recherche. Alors, faire un tableau, non. Il n'y a pas le titre. Prendre des infos, non, parce qu'il en manque trop. Mais mettre en forme la recherche, c'était réussi. Il est mis dans les bonnes cases. Il ou elle, d'ailleurs. Plutôt elle, je pense. Vu l'écriture. Ah, là, ça va, il y a le nom. Oh, ça, c'est du titre. Tableau à double entrée pour indiquer les êtres... Très bien comme titre. En plus, c'est au crayon, ça c'est faux. Au fait, tac. Mais c'est très bien. Allez, 3 plus. Alors, sur les régimes alimentaires, cache le nombre, ça l'a mis des deux côtés. Donc, hop, quand même. Tac. Non, c'est pas un producteur primaire. Tac. C'est pas un producteur. Tac. Qui manque là? Personne. Donc, mettre en forme, très bien. Elle a fait quoi? Elle a fait 2 erreurs. Alors, juste bien. Tableau, très bien. Hop là. Comment j'ai à qui appartiennent ces animaux? Oh là là, appartiennent ces animaux, mais qu'est-ce que c'est ce titre? Alors, annotons, tac, c'est normal, c'est bon, c'est moi qui l'ai fait. Insecte volant zoophage, producteur primaire, non. Omniphage, non. Tac. Et ben voilà! Que demande le professeur? Très bien. Même si je suis pas fan du titre, c'est un titre. Alors, répondu à la consigne. Alors, est-ce que j'en ai d'autres là-dedans? Non. Alors, on va passer au deuxième exercice. Alors, c'était de montrer, grâce au travail qu'on a fait juste avant, c'était de montrer les cycles de la matière. Sauf qu'il n'y a pas de légende. Et le 15, il n'est pas évalué. Donc, pas de légende, non évalué. Faites tout ce que je vais regarder, c'est s'ils ont pensé à mettre une légende. C'est le premier schéma qu'ils avaient à faire tout seul. Légende des titres, bien évidemment. Oh là là, très bien. On s'y met les producteurs. Mais c'est excellent. Alors. Légende. Bon, elle a mis un titre. Elle tire une bonne conclusion. Très bien. Oh. Je vais ranger mes feuilles. Voilà. Voilà une idée qu'elle est bonne.
Et voilà. Faut que j'essaye sur Twitch. Après tout, c'est fait pour faire du live. Hein. Alors, voyons voir. Le cycle des... est une... J'arrive pas à lire, quoi. Est utile par fabriquer produit. Producteur primaire, il fabrique, produit la matière organique, c'est juste. Est utilisé, sûrement... Non. Bon, il n'y a pas de conclusion. Et ça, c'est moi qui l'avais fait au tableau. Donc, non plus. Ah. Ben non et non, alors. D'ailleurs, quel est le nom? Si vous pouviez perdre cette manie de ne pas mettre le nom. Hein. Le titre. La légende. C'est juste, mais... Ah, elle a essayé, mais c'est pas du tout des réseaux alimentaires. Et la légende. Ouais, pour les conclusions, s'ils n'ont pas mis, je vais mettre non évalué parce qu'ils ont manqué de temps à la fin pour le faire. Celui qui l'a fait, je lui compte, et celui qui l'a pas fait, je lui mets non évalué. Ah, pour être méchant, faut être un peu honnête quand même. C'est pas ça. Et la légende des flèches, elle n'y est pas. Voilà. Est utilisé par fabrique produit est utilisé par. Et il fallait mettre aussi. Voilà. Le cycle des êtres vivants. Non, c'est pas ça. Mais elle a mis sa légende et elle a mis un titre. Pardon. Non évalué. Et voilà. Et on attaque le paquet suivant de 6ème 5. Oui, j'avais beaucoup de paquets en 6ème 5. Oui, alors YouTube... C'est plus pratique pour moi aussi. Surtout qu'avec OBS Studio, ça marche quand même nettement mieux. Je serais curieux de savoir, je le mettrai en commentaire. Tiens, combien ça a utilisé de giga? Oh, une évaluation de SVT. Ouais, vous vous rendez compte, j'ai des élèves de 6ème qui écrivent comme ça quand même. Hein. Non et non, hein. Qu'est-ce que tu te dis? Il n'y a même pas le nom. Comme une suite, non et non. Qu'est-ce que je te dis? Ah, c'est triste, mais c'est ici. Non, voilà, je toque de côté. Presque là. Ah, presque. Je vais la mettre là. Alors, qu'est-ce que réseau alimentaire? Il y en a d'autres. Car il fabrique sa matière organique à partir de... Mais ça suffit. Tac. Oh, sauf qu'il n'y a pas le point, là. Il n'y a pas le point. Allez, petit point rouge.
Était avec tous les animaux. Non, ça c'est pas appris. Et ça c'est pas appris. C'est pas sérieux ça. Pas comme ça qu'on fait un sixième normalement. Hein. Ah, réseau alimentaire. C'est pas ça. Comment on reconnaît là, là. Ah, ne consomme que des. Ben, c'est très bien. Si un animal consomme, c'est pas ENT. Alors, voyons voir. Ah, ben, j'avais mis une musique. Hein. Elle est où? Ouais, c'est vrai. Alors, voyons voir. Oh, qu'est-ce que c'est ce truc triste là? Non, alors la pub, non, ça ira. Oui, parce que je regarde là parce que j'ai trois écrans. Non plus. Voilà. Et voilà. Ah ouais, dès qu'il y a de la musique, ça attire du monde, hein, c'est incroyable. Non, c'est pas vrai, on est toujours que deux. Alors, c'est une chaîne qui commence avec une chose et qui est mangée par une autre. Voilà, c'est pas correct, là. Voilà, encore une fois, elle a pas appris sa leçon. Je dirais pas son nom, mais c'est fatigant. Hein. Alors, ensemble des chaînes animateurs liées les unes aux autres, on reconnaît le premier. Un produit à partir d'un producteur. Oh là là. Car les producteurs primaires sont directement ou indirectement. Voilà. Confus. Eh non, c'est pas. Pas une. Plusieurs. Non plus. Oh là là, vous voulez pas qu'on désespère, nous les profs, des fois. Regarde-moi ça. Hein. Oh, c'est mieux. Oh, c'est mieux sans éclairage. Hein. Alors, réseau alimentaire, chaîne alimentaire qui est liée les unes aux autres. Plusieurs chaînes alimentaires. Oui, parce que si elles sont liées, forcément, il y en a plusieurs. Alors, on reconnaît un producteur primaire s'il n'est pas zoophage. Oui, ni phytophage. Ouais. Il a compris le principe, mais il a un peu tout mélangé. Et enfin, pour ce paquet-là. Wow! On n'aura pas dépassé les 4 spectateurs ce soir. Bon, 26 lectures, c'est pas mal. 3 minutes de visionnage sur 50 minutes de stream. Ouais, ça passionne pas les foules, la correction de copie. Alors, ensemble de producteur premier ne se nourrit pas d'autres êtres vivants, se nourrit. Tiens, minéral. Dommage. Déjà, j'ai compris le début. Enfin, il, elle, d'ailleurs. Ouais, allez.
encore un petit paquet. Qu'est-ce que c'est, c'est? Oh. Regardez ce que j'avais mis de côté. Comment on analyse une expérience. Ah. Alors c'est sympa la musique, mais tiens, un peu de... d'araignée. Et de Usukusecte. Mar de feuilles d'arbres, des feuilles. Mais vous avez vu, ils sont quand même arrivés jusqu'en sixième. Hein. De feuilles d'arbres, il y a de la poussière. Ils se transforment de leur. Bon, il a vu ce qu'il fallait, mais... Au début, il y rave de feuilles dans un pot pour rouge. Deux et bleu. Ils ont attendu un mois et ils eurent le pou rouge, le feu, la feuille. Elle a séché. Oh la vache. Elle reste et dans l'autre pot bleu. Sauf que c'est le pot rouge. Il reste que de la terre. Ah ouais, ouais. Hein, c'est... Bon, heureusement, ils font pas tout ça, mais... La tuile d'araignée, celle-là, on me l'avait jamais faite. Alors, en termes de compétences. Mettre en forme une recherche, non. Prendre des infos, oui. Et tirer une conclusion, non, puisqu'il a pas fait. Voilà. C'est pas les meilleures copies qui sont les plus longues à corriger. Alors le pire, c'est... Alors ce qu'il y a, c'est que ça veut pas rien dire. Pour eux, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que si je le lis à voix haute, j'arrive à comprendre à peu près. La tuelle d'araignée, c'est quand même le top, hein, mais... je dis ça pour Koulou 84 Gaming. C'est vrai que c'est... Bon... On voit qu'il y en a d'autres qui écrivent mieux quand même. Est devenu poussivore. Poussivour. Donc c'est pas ce que je posais. Je demandais d'observer le sol. Expliquer car les feuilles sont mortes. Donc l'hypothèse est pas bonne. La différence est, EST, on n'en est pas là, que le pot bleu est rouge. Le plus est normal. Et l'autre pot bleu. Il n'y a plus rien et le pot rouge est normal et l'autre est devenu tout vert. Oh là là. Ils sont dessous. Qui ? On ne sait pas. Alors juste je montre quand même parce que... Voilà le document qu'ils avaient, il y avait le même en couleur avec le pot bleu et le pot rouge. Hein. Le pot bleu au début de l'expérience, le pot rouge au début. Rouge, bleu. Le pot rouge à la fin, le pot bleu à la fin. Donc là, le sol a été laissé normal et là, le sol a été stérilisé. C'est-à-dire que là, normalement, les êtres vivants du sol sont morts, donc il n'y a plus de décomposeurs. Ah, sur Snap. Ça fait une pause. Si j'envoyais un snap. Et voilà, en direct de la correction en live avec mes trois spectateurs simultanés. On va voir si ça fait venir du monde. Alors, non, hein. On va dire non, non, et non. Alors, des feuilles mortes, de la pierre, des moisissures, de la terre, des grains de sable, des bâtons et de la poussière. Et de la moisissure, que j'avais montré, et des insectes. Ne montrez pas d'où. Staralalaisef. C'est-à-dire. Voilà.
dans la peau, il reste quelques femmes. Donc elle a bien observé, elle a bien organisé ses recherches. Elle n'a pas tiré de conclusion, c'est pas assez organisé, mais elle a pris les infos. Toi, vrai, hein, snap en direct et tout. Mais je serais curieux de savoir si ce snap va avoir un effet sur la. Sur la vue. Je pourrais faire un Insta aussi en direct. Ah ouais! Est-ce que je peux montrer une autre copie? Est-ce qu'il n'y a pas le mien? Ah, c'est vide. Tiens, on parlait d'élèves qui a du mal à écrire. Alors ça, c'est pas un élève classique de 6ème, hein, c'est un élève qui est inclus. C'est-à-dire qu'il est avec les autres élèves. Allez, direct sur Insta. Et voilà, encore une correction en direct depuis mon bureau, hein, et en live sur YouTube. Ah, je devrais faire une punchline sur venez voir comment écrivent vos enfants. Non, ça c'est pas son brouillon, ça c'est sa vraie feuille. Même si elle est déchirée et tout. Et alors, vous me croirez ou pas, c'est ce qu'il peut faire de mieux. Voilà. Mais moi, j'arrive pas à le lire. Alors, si, je vais y arriver. Ah, parce que je suis très très fort. Il tua des feuilles, je suppose. Il y a des feuilles. Ça, c'est il y a. Oh là là, il a écrit dans tous les sens. Il y a de la trure, il y a beaucoup de poussière, il fourre-trouve, suive, il y a de la pierre, il y a des insectes. Ah ben lui, il a vu, tu vois. Il résiste plein de 3 mois pour porter tous les saltes. Ça, je peux pas. Alors, voyons voir la suite. Le premier pot concornin, le premier bleutin. Faudrait que je le montre à ma graphothérapeute. Mes filles sont une graphothérapeute. Elle m'a dit un jour, il faudra que vous montriez des copies. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Il faudrait que j'y montre cette vidéo. Enfin, là, c'est plus de la graphothérapie, je pense. On est au niveau dessus, quand même. L'autre, in reste fine. Il n'y a pas de fin, le plein, rougeur, un blanche, c'est jaune. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce que moi, il faut que je l'évalue là-dessus par rapport aux autres. Hein. Parce que finalement, s'il est en classe avec les autres, c'est qu'il a des choses à faire comme les autres. Donc déjà, là, il va être non évalué. Non évalué, non évalué, et surprise d'information, y est arrivé. Ah, Snapchat, ça n'a pas eu un effet énorme. On est toujours que 3. Oh, les 2 likes. Ben voilà. Ah, c'est quoi ça? Ah. Que je fais ma petite pause. Hein. Je me demande si on le voit. Hein. Ah ouais, on le voit. Allez, bim!
je perds, la défaite en direct. J'enlèverai le stream, c'est pas grave. 2020, c'est presque fini. Mais avant, ah bah, tant mieux que 2020 soit presque fini. Avec l'année qu'on a eue. Que l'on soit en famille ou entre amis, même à distance. Fêtez la fin d'année autrement avec les gourmands. Oh, il a un ballon niveau 13. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Un paquet. Allez, bim. Combien il me reste de feuilles? Alors, voilà. Alors ça, c'est une classe. Ça, c'est une classe. Et il me reste 5 classes. Et il me reste à peu près tout le même truc. Je ne veux pas tout faire ce soir, hein, je vous le cache pas. Tiens, j'ai encore un truc de 6ème 5. Hein. Ça, c'est quand on range pas ses feuilles. Là, je dis qu'il faut bien mettre son nom et... Hop. Oh bah tiens. Alia. Un sixième. Voilà, ça c'est les cinquièmes deux. Tiens, j'ai encore un paquet de sixième cinq. Oh, j'ai fait un pic à 6 personnes. Allez, on repart. Ça va aller vite. Donner la définition de l'aléa. Et il n'y a pas là. Je sais pas. Événement dangereux, je sais pas. On a fait des phrases. Donner la définition d'aléa, de risque, city machin, et... Hop. Hop, hop. Comme ça, au moins, on a les définitions. Donc, donner la définition de aléa, donner la définition de risque, et citer deux phénomènes. On n'a même pas eu le temps de finir de copier. Passons sur ce que j'en pense. Ça serait méchant. Ah, mais j'en ai là aussi, des copies. Je pense que je vais pouvoir faire un live tous les soirs en fait. Ah, tiens, on a du monde. Un 4 sur 20 en 3ème, mais quel souvenir, c'était il y a un moment, non? Ah, c'est cadeau. Alors... Je mets plus des notes, maintenant on fait des trucs par compétence, les notes c'est trop cruel. Maintenant on met des points rouges et des points verts. Alors, voilà, alors. Mais lui 16, tiens, regarde là, le truc. Mais même copier, il est pas arrivé, tu vois. Qu'est-ce que tu veux mettre 16? Allez, dégage-toi. Tiens, je vais l'activer, on va voir ce que ça donne. Vraiment, il est bon. Voilà, ouais, prend jamais ses leçons, hein, là. Impressionnant, hein. D'accord. Oui, normalement, SVT, vous êtes en plein dans les mutations. Ben, ça tombe bien avec le Covid, etc. Ça doit vous parler. Tiens, j'ai fait une vidéo sur l'ARN. Ça doit vous parler à vous. Les cellules, pas en première les cellules. Ou alors le fonctionnement cellulaire. Avec l'acide, des oxyribonucléaires, etc.
Oui, en enseignement scientifique, ça m'étonne pas. Ah, ah, pas répondu, pas répondu. Des tsunamis. Elle a fait la phrase, elle a répondu qu'à une question, c'est pas suffisant, il en faut au moins deux. ARN, oh là là, soyez précis dans le vocabulaire, nom de nom. Acide ribonucléique, acide désoxyribonucléique, voilà. Ça n'existe plus, ES. C'est plus ES. Il y a des options qui sont prises. Ben voilà, même les garçons y arrivent. Tac, tac, tac. Voilà. Eh ben on retrouve mon champion du monde hein, avec sa feuille déchirée. Eh ouais. ARN messager, phénotype, ribosome, codon stop, codage. Oh là là. Ah ouais, il a pris physique, maths et SVT. Bon mais écoute. Il s'est passé en cours et je vais pas l'évaluer sur le texte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, 9 records à battre. Allez, il faudrait. Oh, je te dis, le record c'est à 13 ans. Pas loin, mais pas près quand même. Allez, c'est bon, c'est ça. Je connais pas la réponse. Oh, c'est bien, c'est honnête. Et ça me fait gagner du temps. Ah. Élève qui parle jamais, elle a jamais parlé en classe, c'est impressionnant, mais elle dit jamais rien. Cyanel, c'est quoi Cyanel? Oh, me parlez pas de John, je comprends rien ce que vous dites après. Si chaque fois qu'il y a eu un 4 sur 20 SVT, c'est une catastrophe. Il y aurait plus grand monde en classe. Hein. Surtout avec mes notes à moi. Transformation des éléments, des éléments de certains. Ah ben voilà. C'est très bien. Très bien par contre. L'avantage de mes lives, c'est que souvent des anciens élèves se retrouvent. Ah. Qu'est-ce qui est jaune et qui atteint l'étoile sur le maillot du PSG? Je sais pas la réponse. D'accord. Vous voyez, de temps en temps, ils essayent de faire un peu d'humour. Hein? C'est mauvais, mais c'est un essai, quoi. Ça me détend pendant que je copie. Je fais les corriger. Ça sera mon dernier paquet. Oh! Le record est battu. Le record est égalé. Nous sommes arrivés à 13 spectateurs. Ouais, en fait, vous vivez la nuit, quoi. Bon, de toute façon, les garçons, vous rigolez, mais vous verrez. Les cheveux, ça part plus vite que ce que ça vient. Hein. Regardez bien vos pères, parce que... Il y a des inquiétudes à avoir. En fait, en plus, même pas d'ailleurs, parce que ça vient pas du père. Hein. Mais bon. Ouais, 13 d'un coup. Ah, n'hésitez pas à aller sur Tipeee. Oui, allez sur Tipeee. Ça fait quoi les influenceurs, comment ils font? Je vais vous parler d'un produit. En fait, la question, elle est vite résolue. C'est la question qui est vite résolue? Non. Ouais, le snap qui agit une heure et demie après, tu sais. J'ai pas les moyens, surtout. Non, moi, je voudrais plutôt une CNC laser. Hop, j'enlève, je mets pas le nom, quand même. Je vais chercher la CNC laser.
Voilà, allez, c'est pas tout ça, mais mes copies quand même. Alors, l'activité externe de la Terre liée à l'atmosphère et à la température, très bien, je ne sais absolument pas. Gamin. Bon. La température de plus en plus. Non, c'est le fait qu'elle soit inclinée. Oh là là, je m'en rappelle plus. Oh là là. Très bien, la répartition inégale d'âge, c'était très bien. Ah, on n'est pas arrivé à dépasser les 13, le plafond de verre. Au revoir, Anas. A bientôt, peut-être pour une autre classe, sait-on jamais. Donneur rappeur, eh bien, écoute, si tu fais un clip, je te le passerai sur ma chaîne. Je connais pas mal le son, ouais, j'ai vu. Mais un clip propre, hein, pas un truc tout pourri. Hein. À la limite, j'irai te le tourner s'il faut. J'ai déjà un fond vert. Non. Non plus. Il n'y a pas les points, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de... Voilà. Ah, ça y est, on est remonté à 13. Plus qu'un, et on bat le record. Hein. Enfin, mon record. Quoi. Là, il n'y a même pas le nom. Hein. Ah, si. Non. La Terre est liée à l'activité externe. C'est énorme, ça. Et le point à la fin. Ah, toujours 13. Je surveille le nombre de spectateurs simultanés. Je ne sais pas. Je pense pas avoir. D'accord. 100 points. Il n'y a toujours pas de nom non plus. Hein. Oh, c'est pas comme si il y en avait besoin pour corriger. Un rap open source. Alors, l'activité externe de la Terre est liée. Et non. Température est trop seulement la hauteur. Et non plus. Je te jure. Ah, la chute. Eh ben non, le plafond de verre a été interne. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Densité, d'accord, grâce à la densité, la phrase. Oh, regardez comme c'est mignon. J'ai droit à un petit cœur. Oh, comme c'est mignon. Mais c'est faux quand même. Différence de densité des fluides, grâce à la densité. La phrase. Elles auraient copié qu'elles auraient les mêmes réponses. Qu'est-ce qui court et qui se jette? Point d'interrogation. Une courgette. Point d'exclamation.
Voilà. Oh, mais c'est drôle ça. Oh là là, que c'est drôle. Allez, je finis ce paquet et terminé. D'abord parce que c'est tard. Hein. Car il y a le dauphin qui danse la tectonique, mais bien sûr. Et... son coordonné. Voilà. Ah, merci, c'est gentil. La dernière, c'est justement ce bureau-là. Je sais pas. Dommage. Bonsoir. Encore une qui a lu son cours et qui a cru que là, ça suffisait pour la prendre. Et enfin... Je vois pas de dislike, moi. Oui, oui, Mohamed, je te reconnais. Tu étais au Ponté, toi. D'ailleurs, vous étiez deux Mohamed, il me semble. Ah, j'ai 1000. Soyons précis, Mohamed. ...1254 abonnés. Et d'ailleurs, je pourrais même le montrer. Tac. Et voilà. Donc finissons cette séance de correction en live sur une petite conclusion. Donc voilà ma chaîne, pour ceux les curieux, 1254. Si vous voulez savoir pour la YouTube monnaie, puisque généralement c'est ce que tout le monde me demande. Vous voyez, donc les revenus, 17,89€, que j'ai toujours pas touché, puisque YouTube attend qu'on soit à 70, hein. On va voir l'analytique.
Donc j'ai gagné 60 sur les 28 derniers jours, j'ai eu 12 000 vues, 11 500 vues, 665 heures de visionnage, 77 abonnés de plus et gagné 17,89. Et si je regarde sur depuis toujours, ouh, la fortune est à moi, 71 €, sachant que je crois qu'il paye qu'à partir de 100. Donc j'ai pas eu un virement. Ma foi. Et le streaming de ce soir? Oh, le million d'abonnés, pas tout de suite. Hein. Je pense. Alors, voyez les statistiques de ce soir. 7 spectateurs en simultané. Fréquence de chat 2. 60 lectures au total pour une durée moyenne de visionnage de 7 minutes. Pour un live qui aura duré 1h40 et quelques, 45 le temps de terminer. Alors ça c'est le nombre de spectateurs simultanés, on a eu un pic entre 10h30 et quelques. Et là j'ai eu un effondrement le plus total. C'est rigolo à faire. Si je regarde la fréquence de chat, évidemment j'ai la même fréquence de chat au même moment. Et sur l'état du flux, bon ben, tout était. Hein. Alors mon prochain projet do it yourself, j'en ai deux. Il y en a un, je suis en train d'enlever du tissu une banquette d'une collègue. Je me suis bloqué le dos, mon pauvre. Ça, et j'ai récupéré. Alors, je suis là, bon, ça va être vite fait, c'est juste pour mettre. Et le prochain, ça sera d'aménager un vieux tonneau de 200 litres. Je pense que je vais en faire un bar. Et je vais faire un peu de pub pour ma page Tipeee. On sait jamais hein, que ça me permette d'avoir une CNC laser. Bon. Alors sur ce, je termine. C'est bientôt 11h. Pour moi, c'est l'heure du dodo. Parce que quand même, à mon âge, il faut que je me repose. Je vous dis à bientôt. Puisque maintenant, j'ai trouvé le moyen de faire des... de faire des lives. Je vais regarder combien ça a consommé de gigas sur mon forfait, hein, parce que si ça consomme 10 gigas, c'est pas la peine. Ah, mes prochains projets sur YouTube, ben, je vais continuer les do it yourself. Je vais refaire des lives de correction parce que je trouve ça drôle, puis ça me motive un peu pour faire de correction, parce qu'honnêtement, hein, c'est pas terrible, et j'aimerais faire une grosse vidéo sur la génétique en SVT de la 6e jusqu'à la terminale, mais ça va me prendre du temps. Et j'aimerais quelque chose d'un peu chiadé qui permettrait aux élèves de comprendre, quel que soit leur niveau. Mais vraiment, ça me tiendrait à cœur. Puis j'ai des vidéos de bricolage. Non, j'ai pas essayé TikTok. J'en ai marre de voir mes élèves qui font des trucs comme ça, là, tac, tac. J'ai l'impression qu'elles deviennent... Alors, la plupart des filles, hein, qu'elles deviennent folles et qu'elles savent plus marcher, quoi. Donc, et puis TikTok sont des vidéos plutôt courtes, en fait. Faudra que j'essaye un jour, hein, quand même, parce que je suis curieux. J'ai bien essayé F3. Je pourrais essayer TikTok. Hein. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Bon, allez. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis sûrement à bientôt pour les plus fidèles. Et puis, n'oubliez pas de faire travailler votre cerveau pour pouvoir faire travailler votre main. Et bon courage à mes anciens et futurs élèves.